Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite vidéo solde. Donc, je suis allée chez Etam. Donc, j'avais besoin de culottes. En fait, je suis pas allée, j'ai fait une commande et livraison au magasin. En fait, je crois que c'est mieux. Donc, des petites choses en plus. Alors. Donc j'ai pris comme ça un pack de culottes banales en coton, etc. Donc c'était 14,90€, soldé à 10€ et quelques. Donc voilà. Ensuite, avec cette commande, j'avais pris. Donc c'est emballé comme ça, un paquet double. Donc elle vous ouvre le carton, elle vous met tout dans un sac. Je comprends. Bon, il vérifie que toute la marchandise est là. Voilà. J'ai pris un petit vernis comme ça. C'est la teinte, c'est vernis à ongles, donc c'est 38 privilèges, donc pas mal du tout, j'aime bien. Il était un et quelques, je crois. Ensuite, j'ai pris aussi un petit savon, donc là celui-là n'est pas ouvert. Donc, ça sent bon, j'adore. Si vous connaissez mon amour pour les savons, dès qu'il y a des salades chez l'Occitane, etc. ou ailleurs, moi j'aime bien prendre les savons. Donc on va l'ouvrir. C'est un 100 ml, 100 grammes, pardon, litre. Donc voilà, comme ça, plastifié, donc tout simplement avec le E d'Etam. Ça sent bon. Donc c'est les bulleuses loveuses. Savon doux parfumé. Donc c'est à base de rose, de pivoine et de magnolia et toutes les fleurs bleues voient la vie en rose. Une surprise, coup de cœur. Voilà, on dit deux. Déchargez donc la marque, toutes les notes. Moi souvent je les achète et souvent je les utilise pas. Je les mets dans mes commodes, mes armoires pour parfumer, les habits. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi en commentaire. Et je faisais un tour. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais. En fait, le bronzer en cœur, je croyais que c'était un bronzer pour le visage. En fait, ils l'ont fait pour le cœur. En fait, pour le cœur. Le buste. Ça fait un cache-cœur, en fait. Mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris ce blush. Qui était aussi 2€ et quelques, je crois, à la place de 3 et quelques. Bon, de toute façon, leur maquillage. Sont pas chers hein. À la base c'est donc le blush culotté fard à joues, donc Push Up Your Beauty, et c'est la teinte Flamingo Club le numéro 3. Donc j'ai jamais testé leur make-up, leur soin oui, mais pas leur make-up. Donc, ils se présentent comme ça. Et voilà, donc vous avez le miroir avec le blush, il est juste magnifique. Je le souhaite chez ça aussi. Encore un rose gold. Moi, je suis fanat des rose gold. Je peux pas le voir. Il est juste là. Il est trop beau. C'est un blush mélangé avec un highlighter en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris. Une fleur de douche comme ça, elle était à 1€. Donc les packaging ils étaient tout cassés, tout ouverts. Il y avait trois couleurs, j'ai préféré. Donc il n'y avait pas de stock, donc, c'était les trois dernières qu'il y avait donc, sur Montpellier. Donc à l'Etam en centre-ville, pas au polygone. Donc, ouais. Je sais pas, je me suis habituée, j'en ai une. Que j'avais acheté à 1€, je l'avais présenté en bleu, que j'ai dans ma salle de bain, et celle-là c'est pour la prendre avec moi. Vous saurez prochainement bientôt où je mets dans la valise. Donc la packaging, je m'en rappelle plus combien elle était à la base. Non, je l'ai eu pour 60 centimes je crois. Non, mais je vais vous dire, j'ai le ticket, c'est ça, 60 centimes dentelle de douche ils appellent ça, 60 centimes. Et le blush poudre à la base
Il était 9,90€, moi la remise de 70%, je l'ai eu à 3,57€. Donc il est quand même pas donné. Il est quand même 9,90€, moi je sais pas pourquoi je pensais qu'il était... Bon, le total, ça m'a fait 3,57€ pour une sorte de douche et un blush. Parce que le reste, je l'avais déjà payé. Et là, j'ai ma commande. Mais il n'y a pas les prix, donc... voilà ce qui est des tables. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chez... Ça, c'était un autre jour, hein, chez Kiko. C'était Carrefour Sud, je crois, où il y a Kiko. Ou c'était Auchan? Je sais plus. C'est Auchan, bon bref. En tout cas, c'était pas Audition. Donc voilà. J'ai pris des choses soldées aussi. Alors, soldées et pas soldées. Ils ont fait comme ça les petites palettes. Donc celle-là, je l'avais vue sur YouTube. Donc c'est. J'ai pris la numéro 1. Des petites palettes. Donc celle-ci, elle est 6,45€. Je sais pas si elle était soldée ou pas, parce qu'il marque pas que prix soldé, pas soldé, mais je crois que celle-là c'est son prix. Elle se présente comme ça. Donc elle est vraiment très très belle. Je vous enlève le plastique, comme ça ça va pas vous oublier. Entre celle-là et celle de Too Faced, je vais prendre celle-là. Elle est vraiment très 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 jolie. Elle a vraiment des tons automnales qu'on peut utiliser l'été. Donc, si vous voulez des swatchs, je vais vous les mettre sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Maintenant que j'ai ouvert, je vais vous swatcher et photographier. C'est plus pratique pour moi. Ensuite, j'ai pris de cette marque. Donc, c'est Mini Diva. Kiko, comme ça. Désolé, il y a beaucoup de lumière, donc ça éblouit un peu. C'est un paquet de... C'est un petit rouge à lèvres en fait. Mini Diva Lipstick, donc j'ai pris le 01. Donc ça, c'était le produit qu'ils ont fait pour le 20e anniversaire de Kiko. Donc c'est vraiment avec Kiki et avec Kiki. Hein. Mais c'est trop mignon. Ça se présente comme ça. Là, et puis derrière, c'est Mini Diva. Et moi j'ai pris 01 Mini Diva Lipstick, donc c'est un espèce de rosé nude comme ça, qui est juste magnifique, trop beau. Il y avait encore deux autres teintes. Voilà, après il y avait les ombres à paupières, là il n'y avait qu'une seule couleur, le marron, donc j'ai pas voulu prendre. Il y avait une espèce de petit blush avec le petit kabuki aussi, etc. Et ils ont fait aussi des rouges à lèvres comme ça, Creamy Lipstick en 01. Moi j'ai pris. C'est une espèce de marron violacé. Franchement, je ne mettrai pas maintenant. C'est plutôt pour l'automne. Donc le packaging se présente comme ça. Très léger. C'est pas comme les autres. Hein. Comme les. Donc voilà. La couleur. Mais en fait, quand. Là ça paraît violet, mais quand vous swatchez, il fait plus brun violet que... Il est magnifique. Voilà, si vous voulez je vous swatche aussi le rose. Celui-là je l'avais déjà testé sur mes lèvres, mais autrement. Bon, ça va, je vais l'utiliser, je vais sûrement le prendre avec moi. Voilà, magnifique. Voilà. Et c'était pour Kiko. Ensuite, j'étais à la pharmacie de la Comédie. Donc, j'ai pris une petite trousse comme ça. C'était beaucoup moins cher. C'était 7€ et quelques chez eux. Voilà. Donc, vous avez une eau micellaire. Eau micellaire démaquillante. Voilà, l'eau de raisin. Vous avez une crème sorbet hydratante. 10 ml. Ça, c'est 30. Vous avez un shampoing. Vous avez un gel douche 30 minutes et une crème pour le corps. Donc pour 7€ et quelques, normalement elles sont. Ça dépend. Il y en a, ils les font à 12 et quelques, il y en a 9 et quelques, il y en a 10 et quelques. Là j'ai eu à 7 et quelques chez la pharmacie de la Comédie. Comme quoi il y a des produits qui sont beaucoup moins chers.
Ensuite, à la pharmacie de Carrefour Sud, j'ai pu trouver mon eau de beauté. Donc moi j'achète toujours celle-ci à 30 ml et à un prix plus que raisonnable, à 8,50 €. Quand je sais qu'il y a des parapharmacies et pharmacies même qui la font déjà à 12 € et quelques, je suis trop contente parce que je l'avais achetée et elle est terminée et je l'aime beaucoup vraiment. Elle rafraîchit, elle réveille, elle sent bon la vigne, etc. Elle est vraiment biphasée en plus, elle est vraiment top. Je préfère pas acheter la 100 ml parce que déjà elle est 32 € et quelques, donc c'est un peu exagéré déjà le niveau prix, et je sais que elle va rester là. Je préfère acheter des petits formats et utiliser quelque chose de neuf qu'elle reste là en train de se périmer, vu que moi je suis une personne qui me lasse vite des choses. Ensuite, c'était quand? Avant-hier, je suis allée chez Sephora. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je voulais voir s'il y avait encore des petites soldes. Elle m'a dit, ah non, ça y est, c'est fini les soldes. Pourtant, on est même pas... On est quel d'un juillet, je crois. Donc, bon bref. J'ai dit, ah, c'est dommage parce que moi, je voulais prendre les masques à 1 € parce que sur Internet, il n'y en a plus. Mais c'est pas grave. J'ai pris un masque comme ça pour les pieds à l'amande parce que j'ai celui de la lavande, mais je peux pas l'utiliser. Donc je vais essayer celui-ci. Il était 3 € quelques. Si je ne m'abuse, ok. €3,95 quand même. Presque 4 €. Ensuite, j'ai pris un autre masque pour les lèvres. Donc ils sont vraiment bien ceux-là, je les aime bien. Au masque karité. Donc il y avait deux sortes. Celui-là il était 2,50 €. Ensuite, j'ai pris comme ça. À la base, je voulais le kit. Ils ont fait un kit à 34 € quelques qui avait 4 mini. Malheureusement, elle m'a dit. Pourtant, j'ai regardé sur internet comme quoi il était en boutique et elle m'a dit oui, ils mettent pas à jour, Sephora, etc. Je l'ai cru à moitié. Bon, bref, j'ai pris un comme ça. Donc j'ai pris le bombshell. Bof quoi. Il est quand même 21,95 €, donc 22 € à tester, à voir. Donc, voilà. La boîte se présente comme ça, vous poussez. Là il y a même, du plastique. Donc voilà, j'en avais pas, donc je me suis dit allez, rien. Prends-en un, on verra bien. Ensuite, j'ai pris comme ça un kit, mais peut-être je vais le retourner parce que un kit comme ça, donc vous avez un highlighter crème et liquide de chez Becca, c'est Glow on the Go Shimmering Skin Perfector, donc c'est la couleur opale. Donc vous avez, c'est vraiment tout petit rikiki et ça coûtait 20 €, 19,95 €. Surtout en sachant que moi, vous savez que j'ai déjà la palette avec Jacqueline Hill de chez Becca et que j'avais déjà acheté aussi un highlighter crème que j'ai donné à ma mère, que j'ai pas aimé. Et que, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Vous voyez, c'est tout petit. C'est vraiment miniature quoi. C'est rikiki. Un peu trop rikiki à mon goût, je trouve. Je vais vous montrer. Déjà, à la base, ils sont pas très grands. Ça, c'est la taille du blush. C'est la même taille que... Ah bah, c'est comme ça. Écoutez. Ça, c'est le blush, le Songbird que j'ai. Le highlight, je l'ai. Ça, je vous l'avais déjà présenté. Oui. Vous voyez, je sais pas. C'est vrai que la palette Jacqueline Hill, je l'utilise pas.
Je ne l'ai pas utilisé encore. J'ai essayé de me remettre. Comment j'étais? Je ne sais plus comment j'étais. Je me suis bougé. Bon, bref, je sais pas. J'hésite. Je le garde pas. Je sais pas, j'ai dépensé 40 euros pour rien. Quoi. À la base, je voulais les miniatures. Les miniatures. Comment ça s'appelle? Les miniatures de. Voilà. Les Glam Glow, les masques. Il y avait un pack avec 4 tubes. Il n'y avait pas. Puis il y a un autre aussi, un nouveau là avec le Sony, le machin, qui est sur internet, qui n'avait pas chez eux. Donc voilà. D'achat. Solde et non solde. J'espère que ça vous aura plu. Comme ça, je peux les ranger, les utiliser, etc. Je vous fais de. Gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.